Soyez le bienvenu au Royaume de Fer. Bonjour à tous et bienvenue sur FF16 pour la suite de notre grande aventure avec Clive. On doit détruire ce petit cristal mère de souffle drac. Ne perdons pas de temps, il est plutôt imposant. Allez, on est toujours avec Jill. Jill qui a également une vengeance à opérer. Curieux de voir ça. Toujours avec Talgor également, notre fidèle le chien. Et alors pour info, en parlant de lui, normalement Clive arrêtera de dire « Vas-y mon grand, attaque mon grand, c'est bien mon grand !» Parce que oui, regardez, j'ai retiré donc l'équipement, l'anneau, ce qui fait que je n'ai plus aucun anneau. Par contre, bien sûr, j'ai mis quelques petits boosts. Donc au niveau des compétences, Sicone Écarlate plus 8%, on a toujours la charge enflammée plus 12% et Rapacité plus 15%. Ce ne sont que des améliorations de dégâts. Je pense que c'est important, le plus important. Et donc, pas de changement pour l'instant au niveau compétences, mais on aimerait bien apprendre celle-ci, le feu résurrecteur qui a l'air incroyable. J'ai hâte, il me manque seulement 200 petits points. Allez, on avance, espérons avoir beaucoup de combats aujourd'hui pour justement pouvoir l'apprendre. C'est parti. Zone qui a l'air magnifique en tout cas, vraiment. Le jeu nous en met plein les yeux. Oh, on a de la compagnie. Salut les gars. Allez, c'est parti. Cherche pas à comprendre. La charge. Alors, c'est mon attaque préférée. Vraiment, je vous le dis, c'est le top du top. Il n'y a pas à dire. Allez, on envoie à fond les ballons. On a également, je le rappelle, le mode Transcendance. Limit Break. Allez. Oh, quel plaisir. Viens par là. Je ne vous laisserai aucun répit. Qu'est-ce que j'aime ce jeu, quoi. Allez, c'est bon, premier combat terminé très rapidement. Alors, je suis retourné rapidement pour info au repère, prendre deux super potions. Parce que, mine de rien, eh bien, j'en avais plus qu'une. Donc j'ai préféré, voilà, assurer le coup parce que là, apparemment, on a une zone qui est tout de même assez importante. Et alors, ma question est la suivante. Maintenant que j'ai plus l'anneau par rapport au chien, est-ce que je dois envoyer les attaques parce que là, j'ai même pas essayé. Ça se trouve, je suis assez puissant, hein, j'ai pas besoin de lui. C'est très fréquent sur cette île. Il n'était pas très fort. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mais j'ai également entendu autre chose. J'ai entendu, les amis. Tiens, allez, on en profite. Hop là, j'ose des boules d'énergie. On m'a également dit que le chien, même si tu as pas l'anneau, normalement, il attaque quand même, tu vois. Alors là, je vois pas tellement qu'il attaque, hein. Il se la coule douce, mais je suppose bon, qu'il sert pas à rien non plus, quoi. Allez, on voit la sauce. Voilà, la petite charge pour conclure. Allez, viens, je t'emmène au vent. C'est tellement bien. Quelle compétence de fou. Oula. On a un taureau. Un taureau choisi. C'est parti. Ça va attaquer là. Il me semblait. J'ai loupé l'esquive de peu. Ça c'est con. Allez, on se déchaîne un petit peu. Le gros on se fera après, t'inquiète pas. Je m'envole. Oh, je l'ai vu. Allez. Éclair. Ça, ça fait mal. Effectivement, ça fait mal. Mais dans l'autre sens. Le feu, la charge. Je m'en fiche de me prendre un petit coup de gourdin, hein, c'est pas grave. Tant qu'on lui fait mal. Ça me convient. Oui, bon là par contre, le petit coup de bol, j'ai pas aimé. Alors attends, attaque avec le chien. Vas-y, on a un petit peu de soin. Ah oui, si on est dans la zone, on peut avoir du soin de la part du chien, c'est vrai. Regardez, il peut charger. Allez, attaque mon grand. J'adore, c'est trop bien. Allez, maintenant que j'ai les attaques, la charge. J'ai réussi à esquiver, impeccable. Allez, t'es fichu mon pote. Maintenant, je délivre toute ma puissance. Quoique, il a une sacrée barre de vie, non? Ah, quand même, hein. Sacré barre de vie. Il y a également une attaque électrique qui a l'air très très efficace. Bah pour le coup, 20 000 de dégâts. Ah ouais, on a jamais fait ça les gars. C'est fou. Complètement dingue. Vraiment. Allez mon chien, attaque. Et effectivement, tu vois, il ne parle plus. Il dit pas vas-y mon grand et tout. Putain, qu'est-ce que c'était relou. Hop là, l'esquive. Bien vu barbu. Petit taurus. Jolie esquive. Hop là. Oh mais quel timing mon pote. Le vieux jardin n'est vraiment plus très loin. On y trouvera le passage. Ouais, le jeu il souffle hein, par contre. Hein. J'ai l'impression qu'il met la PS5 au bout du bout. C'est très joli, vraiment. Les effets de lumière globalement et les effets dans le jeu, hyper maîtrisés. Un petit coffre. C'est pas souvent que j'en croise d'ailleurs. Soupir de Garuda, rafale aérienne. Fais voir un petit peu ce que c'est que l'équipement. Je pense pas que je vais le mettre, mais
Qu'est-ce que c'est? Rafale aérienne réduit le délai de réutilisation de la compétence de Garuda rafale aérienne de 11 secondes. Ça, c'est quand même bien, hein. Rafale aérienne, est-ce que je l'ai? Eh ben non, je l'ai même pas équipé, donc je la prends pas, mais ok, ça serait plutôt une bonne idée si jamais j'ai la compétence. Allez, on progresse, en tout cas, ça commence bien dans l'action. Oh non, ça sent le boss. Ah, oh, regarde-moi ça. C'est dégoûtant. Attends. Ça, c'est une mission pour un gardien de Rosalia. Je m'en occupe. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Ça me rappelle un petit peu... Bah, je pense que c'est un peu le même, hein, le monstre qu'on... Ah oui, c'est un marble. Bah, c'est bien ça, mais éthérique, cette fois-ci. On va le loquer. C'est celui qu'on avait eu, souvenez-vous, dans les marais, avec quand on était ado, avec Clive. Ah, oui, là, je me rappelle. Voilà, c'est bien. Allez, tu vises. Et te shoot. Ça picote, hein. Attention, on y va tout de suite. La transcendance, je l'ai activée quand j'aurai les deux jauges, pas avant. Allez, on enchaîne les magies. Oula! Octopus, attention. Je n'aime pas ça. Et là maintenant, transcendance. Remarque, c'est ce qu'on devrait faire. Activer peut-être la transcendance quand on a toutes les magies. C'est peut-être plus logique, je ne sais pas. Bon, après on peut attaquer comme ça. La charge, joli, je regarde un petit peu la vie. On en est. Attaque mon chien. Un petit peu de soin. Tu es où mon chien? Attends, je vais me soigner moi. Tiens, je prends une super potion. Parce que là je suis pas rassuré. Qu'est-ce qu'il fait? Il charge? Non, il dégueule. Ok, tout va bien. Allez. Attention, j'ai un peu peur quand il me regarde comme ça. La charge, tu connais. Ouais, elles sont un peu chiantes ces tentacules là. J'avoue. Je tourne un peu autour parce que. Relou. Allez. Oh. Ah oui, c'est vrai, il va sous le sol et il va nous attirer, il me semble. C'est pas ça l'histoire? Il nous aspire? Ah non, bah il le fait pas ce coup-ci, ok. Ce coup-ci, c'est non. Eh bah très bien. L'étreinte ne sert à rien. D'accord. Allez. Allons-y. Wow. Oh, j'ai plus de vie. J'avais pas vu. Ok, fallait esquiver absolument cette attaque. D'accord. T'es comme ça. Je me suis fait un peu surprendre. Le combat est très dur. Limite, faudrait retourner sur l'île pour avoir des potions. Parce que s'il y a encore d'autres combats par la suite, eh bonjour. C'est mal barré. Allez. Tire un petit peu. En plus je l'ai vu, en plus je le vois. Je le vois mais je me fais avoir. C'est dingue. Ouais, je pense que c'est un monstre ça, faut pas le rusher spécialement, tu vois. Faut essayer de quand même bien esquiver un maximum de d'attaques parce que ça fait très très mal. Allez. Attaque devant. Costaud hein, quand même. Hein. Reste pas devant. La charge, profite-en quand même. Attends, je vais faire attaquer. Oui, bien joué. Petit peu de soin. Ouais, c'est vrai que le soin de Torgal, ça peut éviter comme ça qu'on prenne des potions, quoi. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il est chiant avec ce tentacule? Tentacules qui peuvent permettre, voilà, quand ça te frappe, de partir. Avec une attaque effectivement très très sympa derrière avec un contre. Le contre, vous savez que ça avait beaucoup de dégâts. Attention. Ah ouais, quand il remonte là. Méfions-nous. Bravo. Maléfique. Bon ça va, mais j'ai quand même utilisé comme un con deux super potions.
Ce qui est un peu dommage. Je pense que j'aurais dû en garder et demander un soin plutôt du chien. Bon, j'espère qu'après, ils vont nous en redonner des potions. On continue? Oui. Ce n'était qu'un petit détail sur le chemin. Il fait chaud comme dans un four. Nous sommes dans un volcan, qu'est-ce que tu crois? Mais je ne me souvenais pas qu'il y faisait si chaud. Un véritable four. Super potion. Eh ben voilà, tu vois. On observe bien, mais bon, c'est vrai que les objets sont voyants. Et celui-ci, on doit s'en inquiéter. Sans doute. Et cela s'intensifie. C'est une victime. Un petit scorpion, allez. Venez tous là. Dommage qu'on puisse pas les projeter, ça aurait été encore mieux. Chaque fois, faut que j'attaque dans le vent. C'est terrible, j'ai ce défaut. Dingo. Oh, tu vois, on peut pas les faire tomber, ça aurait été marrant. Qu'ils puissent chuter. Mais non, impossible. Ok. Bon, ça va, les petits scorpions, ils sont gérables. Attends, on peut passer là-haut? D'abord par là, je pense que je vois un objet. Il y a peut-être deux chemins différents. Bonne question. Je n'en sais rien. Allez, venez tous par ici, s'il vous plaît. Ah oui, c'est vrai qu'on peut le faire aussi dans les airs. Faut pas que j'oublie ça. Faut pas que j'oublie ça, les gars. Allez. À la limite, la chasse est même... Non, c'est pas forcément mieux dans les airs, mais c'est bien. Allez, petit soin. Vas-y, Thorgal. Talgor? Ah, c'est pas Thorgal? Attends, peut-être que je me trompe de place depuis le début. Mais il me semble qu'il a deux noms différents selon la version anglaise, comment on le prononce en français et tout, non? Je sais pas. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'il y avait une autre zone. Vous pouvez passer peut-être par un autre... C'est pas gentil, ça... Il a fini? Ah ouais? Tu as osé. Tu vas souffrir, connaître la douleur comme jamais auparavant. Faut pas me chercher, hein. Tiens. Alors, effectivement, il y aurait moyen de utiliser l'étreinte quand il est à la moitié, on m'a dit à la moitié de la jauge. Je comprends bien. Allez. Déstabilisation, parfait. Allez, Thorgal, un petit soin, s'il te plaît. Merci. Ça m'arrangerait. Encore un petit peu de soin. J'espère que c'est pas le soin pour les alliés, hein. J'espère que c'est pour moi. Allez, bah, le feu brûle, oui, on sait, merci. Des fois, il a des sorties. L'esquive. Petit coup d'aile. Bah, on se fait quand même beaucoup toucher dans le jeu. Après, ça dépend de votre style. Voilà, si vous êtes plutôt à être safe de loin. Là, j'avoue que moi, depuis le début, j'ai tendance à bourriner. Et je trouve que ça va très très bien comme ça. Ok, on vient de là-bas, donc on enchaîne par ici. Du coup, ça fait un menu de plus à contrôler, tu vois, j'ai le menu du chien et les potions, quoi. Les selles de force aussi qu'il faut que j'active. Non. En effet.
D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai lu un commentaire qui m'a plutôt intrigué, qui m'a fait un peu réfléchir. Quelqu'un a dit, ou Nathan, ça veut dire que si Clive, il peut absorber les éléments, on l'a vu avec, avec cette très chère Bénédicta, est-ce que ça veut dire que si il a la glace dans le jeu, il va absorber les pouvoirs de Jill, et est-ce que ça veut pas dire qu'elle va mourir? Là, je me suis dit, c'est pas tout à fait con. Tu vois, donc, on sait pas. À voir. Allez, transcendance. Peut-être que ça va se passer comme ça, mais j'espère que non, mais... évidemment. Ah, les pouvoirs qui me sont conférés. Mourez. Ah. Ils sont quand même résistants, tous. Il faut dire qu'il y a quand même de plus en plus de monde. Allez. C'est bon, le scorpion, on n'en parle plus. Voilà. Tout va bien. Il y a un petit objet là-haut. J'espère que c'est une super potion. Attends, c'est la suite du level ou pas? Ah oui, c'est la suite, je crois. C'est une potion classique. Ils sont pas généreux. Alors, on peut également passer par là? Attends, faut que je voie, il y a deux passages. Ah, mais non, c'est d'où je viens. Oh là là. Cherchons un autre chemin. Terrifiant. Bah non, c'est pas de là d'où je viens. Si, c'est de là-bas que je viens, mais là, c'est bloqué. D'accord. Tiou, tiou. Ça veut dire que les compétences sont revenues. Alors, attends, est-ce qu'on a pas assez de points d'ailleurs? En parlant de ça. 1800, mais bien sûr. Allez, on va apprendre le feu résurrecteur. Crée un immense tourbillon de flammes qui inflige des dégâts aux ennemis sur un grand périmètre et soigne ses propres PV. Je veux cette attaque. Alors, on ne la maîtrise pas pour l'instant. Ce qu'on peut faire, c'est réinitialiser les attaques qui ne nous servent plus. C'est vrai. Mais pour l'instant, je vais rester comme ça. Ok? Donc, feu résurrecteur, je vais l'équiper. Je vais donc garder la charge. Et on va remplacer Cyclone. Ce qui veut dire aussi qu'il faut que je change... Eh oui. Ce qui veut dire aussi qu'il faut que je change ceci. Parce que là, j'ai mis l'amélioration de Cyclone. Donc, je vais partir sur feu résurrecteur. Voilà. Réduit le délai de réutilisation. Ou alors, il y a un truc pour augmenter l'attaque, sûrement. Flamme émergente, non. Cyclone. Oui, bah tu sais quoi. Non, on va utiliser ça. Voilà. Ça réduit le délai, comme ça on pourra l'utiliser plus souvent, de 12 secondes quand même. Ah ouais, c'est plutôt sympa. Allez, on part là-dessus. Et normalement, c'est une compétence qui est plus puissante. Souffle Drac. Le cristal n'est plus très loin. On se rapproche. Ah, super potion, comme ça au moins on est à fond. Là, ça fait plaisir. Bon, je laisse mon chien attaquer tout seul comme un grand. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce... Ça me saute... C'est de la guimauve. Bon, peu importe, je ne lui fais pas confiance. Ah non, moi je fais pas confiance à la guimauve, hein. Attention. Ok. Ah, il faut que je teste l'attaque, on l'a pas vu encore. Attaque de feu. Ah ouais. Attends, il y a carrément une petite inée. Bon, la guimauve par contre, elle craint pas le feu, ça on a compris, on s'en doute, c'est tout à fait logique les gars. Oh la parade, bien joué. Ok. Voilà, la charge, ça lui fait pas grand chose. Le vent, je regarde un petit peu ce qui lui fait mal. Dommage qu'on ait pas la glace. Allez, attaque mon chien. Attaque. En fait, honnêtement, c'était pas non plus trop chiant l'anneau de Talgor. Ça dépendait après de la fréquence de... Je vois pas tellement de différence en fait. Si, peut-être que Talgor il fait moins la toupie, enfin moins son sonic, tu vois. Donc peut-être qu'on aura moins de combos aériens. Donc je sais pas ce que vous me conseillez. Est-ce que vous me conseillez vraiment de remettre l'anneau? Ou alors est-ce que c'est quelque chose qui est pas obligatoire et tout? J'avoue que je suis pas sûr du coup. Ok, 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 je vois. Je pensais pouvoir esquiver tranquille. Ouais, je passe derrière. T'es quand même relou celui-là. C'est bon, il est mort? Allez, on n'en parle plus. On n'a pas de glace. Enfin, il y a Shiva, mais bon, on peut pas lui demander d'envoyer la glace. Eh, mais d'ailleurs, je suis un peu con, parce que oui, la glace qui était envoyée dans les précédents épisodes, bah c'était Shiva. Pourquoi j'ai pas pensé? Moi je disais, elle vient d'où cette glace? Bah t'es avec Shiva, connard. Qu'est-ce que c'est? Je connais ces monstres, mais d'habitude ils n'attaquent pas. Je ne m'y connais pas trop, mais ça sent l'éruption volcanique à plein nez. Il y a une première fois pour tout. C'est parti, on va le loquer. Ah d'accord, t'es comme ça. Celui-ci fait exception.
Ok. Il y a une sacrée carapace. Ah oui, je me rappelle, il roule. On a déjà affronté ce monstre. Peut-être pas en mode feu comme ça, mais... Justice! Tonnerre assourdissant. Oula! Arrêtez de se faire écraser, les gars. Ouais, ça va être tendu. Allez. Soin, Talgor. S'il te plaît. Du soin à mort. Ah, j'ai bien esquivé là, hein, dis donc. Oh, le coup de cul, j'ai senti venir. Maintenant. Prends ça. Allez. Déstabilisation. Magnifique. Du soin. Profites-en, mon Talgor. Pour soigner ton maître. Je te l'ordonne. C'est parfait. 18500 de dégâts, c'est quand même bueno. J'imagine même pas qu'on saura à la fin du jeu. Ça va être incroyable. Prends ça. Je l'ai senti venir. Qu'est-ce qu'il prépare? Eh ben, il prépare ulcération. Oula. Ouais, belle esquive, joli. Wouh. Oh, il est incroyable. Il est incroyable. Il te pète à la gueule, c'est insane. Tiens. Bien joué. Là, j'aurais pu me faire brûler hein, la moustache là. Sans problème. Bien joué. Il est fatigant lui un peu. Attends, tiens, étreinte. D'accord, ça fait rien. C'est pour l'attirer ça. Incroyable. Soin Talgor, s'il te plaît. Ok, je prends une potion. Mon Talgor, tu n'es pas forcément impeccable sur ce combat. Je pense que je vais remettre ton anneau, parce que t'arrives pas à te gérer correctement. Moi j'ai voulu essayer sans l'anneau, je ne sais pas si vraiment c'est que... C'est une zone qui est assez difficile, sûrement hein. Bien joué. On voit quelques éclairs. Oh là 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 là. Justice. Ah mais t'as vu, il a plein de points. Ah d'accord. Donc ouais, ça vaut le coup. Carrément. Super potion. Je préfère hein. Ne pas lésiner sur les potions quand même. Mais non, pas encore une potion. Je me suis trompé. C'est ça aussi le problème. T'as tendance, tu vois, à... Parce que tu veux contrôler le chien, à faire plus de bêtises du côté de ton héros. Allez, 20 000. Ouais, il est vraiment vénère celui-là. Hein. Ça souffle du feu. Maintenant. Le petit coup de patte, tout va bien. Allez. On va esquiver ce genre de choses. Talgor attaque. Allez, c'est bon. Il manquait plus qu'un petit coup. Archéosaure de feu vaincu. Ah, il est tendu quand même. Il est plutôt vénère. Ouais, je vois plus mon chien faire la roue, tu vois, genre Sonic. Peut-être que c'est ça qui manque. Moins de combos aériens, je pense. Bien. J'ai juste chaud. Merci. Nous n'avons pas été des plus discrets. J'espère qu'on ne nous a pas entendus. Il y a une porte qui mène à l'intérieur, là-haut. Ça nous rapprochera du sanctuaire. J'ai hâte d'en finir. Avant que cette chaleur me termine. Bien dit. Nous pourrons entrer dans le sanctuaire par les quartiers des servantes. C'est un endroit bien plus animé. Il nous sera donc difficile de passer inaperçu. Ne t'en fais pas. Il y a quelqu'un là-bas à qui j'aimerais parler. Ah d'accord, c'est par là. Je me disais, mais comment je fais pour sauter? Tu sais ce qu'on va faire?
Bon, je repasse sur la config que j'avais avant parce que je trouvais que c'était plus efficace avec Talgor. Donc je remets l'anneau de synergie et également rapacité, augmentation des dégâts de 15%. Je pense que c'est bien. Continuons. Par contre, bon, c'est reparti pour... Vas-y mon grand, c'est bien mon grand. Quelque part, ça met un peu d'ambiance. Eh oui, faut toujours voir le bon côté des choses. Rien de ce côté, c'est un cul-de-sac, donc c'est par là. Bah quoi, c'est des escaliers? Madame Marley, c'est moi. Oh, c'est pas vrai. Jill, c'est impossible. Eh oui, madame. C'est dangereux ici. Suivez-moi. Soulagée que tu ailles bien. Vous aussi, on dirait. Mais pourquoi as-tu pris le risque de revenir? As-tu perdu la tête? Je ne comprends pas que tu joues ta liberté comme ça. Pardonnez-moi, madame. Mais... il fallait que je revienne ici. Il y a des choses que je dois régler. Dites-moi, où donc est le grand prêtre? À cette heure-ci, il doit être au sanctuaire, en train de prier. Il prie? Oh, c'est pas vrai! Clive, il faut qu'on aille au sanctuaire. Vite! Madame Marley, il faut que vous fuyiez. Prenez vos affaires et partez. Écoute-moi bien, Jill. On a de la compagnie. Venez. Suivez ce passage. Il mène droit au sanctuaire. Allez, dépêchez-vous un peu. Merci. Vous étiez ma lumière dans les ténèbres. Je ne l'oublierai jamais. Faites attention à vous, madame, je vous en prie. Vous méritez mieux que tout ça. Promettez-moi de vous en sortir et d'être heureuse. Je survivrai, mais tu dois me promettre d'en faire autant. Allons-y, Clive. Nous sommes presque au sanctuaire. Très bien. Cette ambiance d'église, de cathédrale, ça me terrifie. Allez, super potion, ça c'est bon. Ouais, je t'ai vu. Oula, par contre, la caméra, bonjour. Ah, ça y est. Eh ben voilà, tu vois ce qu'il fait là? Il le faisait plus. Je suis trop content. Ça y est.
Ça aussi, ça fait plus mal, effectivement. On s'acharne. On s'acharne et on s'empoisonne. Pardon. Je suis terrible avec ça. Nouveaux ennemis en approche. Bien sûr, je me doute. Ça n'arrête jamais. Charge toujours. Et ça permet vraiment de les amener ailleurs. Hein. Ça, c'est vachement cool. Oh oui. Ça, ça fait mal. Bon, par contre, à privilégier, bien sûr, le feu résurrecteur quand il y a beaucoup, beaucoup de monde. Là, bon, c'est un combat qui est facile, en l'occurrence. Voilà. Alors, tu peux couper une attaque, je viens de le remarquer, d'ailleurs. J'ai lavé à fond, ça, c'est bien, impeccable. Tiens, maintenant qu'on gère plus du tout le chien, on va repasser sur le menu potions. Voilà, comme ça, j'ai juste à gérer les potions et l'objet des selles de force. Ok, donc c'est par là-bas. En tout cas, pour l'instant, ce qu'on peut vraiment rien dire par rapport au jeu, c'est sur son OST, sa bande-son. Vraiment, c'est impeccable. On peut dire un peu sur la structure, effectivement, que le jeu est un peu linéaire. Voilà, je pense que certains trouveront ça juste trop ligne droite, mais sincèrement, ou même, tu vois, les passages entre différents niveaux. Mais pour un let's play, pour des vidéos, je peux vous assurer que c'est le meilleur format en plus. Donc moi, je suis très content. Oh non, je voulais esquiver en plus. Eh, j'ai attendu, je l'ai regardé, mais non. Voilà. Vengeance. Un peu de respect, s'il te plaît. Allez. Allez, transcendance, on aime. Waha. J'aime pas du tout cette attaque éclair, hein, par contre. Celle-là, oui. Parce que attaque de zone. Moi, j'adore les attaques, en fait, qui concernent... Qui concernent plusieurs ennemis. Alors qu'on sait juste, en effet, on sait juste une attaque éclair qui va attaquer une seule personne, je trouve ça un peu pété. Très souvent. Ça c'est bien aussi. Stabilisation. Elle redescend. Voilà. Vas-y mon chien, gère-toi. Et donc là le chien, effectivement, avec l'anneau, il se calque sur notre combo. Attends, mais d'ailleurs, ils ont patché ou c'est moi? Parce qu'il dit moins, allez mon grand, vas-y et tout, il le dit beaucoup moins. Il me semble, hein. Ou c'était pas loin, la mine de rien. Allez, maintenant. Ah, ah, notre nouvelle attaque. Ah ouais, ouais, ouais. Là, ça marche pas trop parce qu'ils étaient peu. Mais c'est vachement bien. Magnifique. Encendance, et tu es fini, mon brave. C'est un envahisseur fourrégien. Bah écoutez, voilà, j'ai enchaîné les magies. Plus de 20 000 points de dégâts encore une fois. C'est le max qu'on peut faire actuellement. Incroyable. Allez, on avance, les magies qui vont se recharger au fur et à mesure. Alors je sais pas combien on aura d'emplacement de magie. Parce que là, mine de rien, on a quand même déjà beaucoup de choses. Hein, entre le feu, parce que oui, ça Malifrite et Phoenix. Le vent et l'électricité. Bah après, logiquement, la glace, hein, et puis c'est tout. Hein. Ouais, moi je vois que ça, les gars. Attaque mon grand. Non? Ouais, ils ont la flemme. Je sens qu'ils ont la flemme. Ou alors ils sont en mode défensif. Genre c'est comme si tu joues contre le Real. T'es en mode défense parce que tu sais que tu vas en 35, surtout s'il y a Mbappé qui y va l'an prochain, quoi. Voir cet été carrément. Très bien. Alors. On est trop fort. Trop de puissance. Ils savent déjà que c'est perdu d'avance. Je dois te dire quelque chose. J'ai vu le grand prêtre faire des choses absolument inavouables. Et je me suis juré de le tuer de mes propres mains. Je comprends. J'ai affronté mon passé. Maintenant, c'est ton tour. Ouais, tu vois, on récupère bien les objets. Bon, ça va faire un peu de chemin supplémentaire, mais... Voilà, nickel. Donc, super potion, je suis à fond. La vie est à 100%. Et il file des objets parce que voilà. On arrive à un moment fatal. Le sanctuaire. Allez, c'est parti. Attends, je vais en plein milieu. Regarde, hop là. Ah, je pense que c'était le mieux placé. Oh la vache, les dégâts que ça fait, mon pote. Par contre, dis-moi, je peux pas. Parce que je peux pas contrer. Enfin, je peux pas esquiver, du moins, quand je suis en pleine compétence. Je pense pas me tromper en disant ça.
Allez, petite percée, on enchaîne les combos, vas-y mon chien, fais-toi plaise. La charge, 15 000 dégâts. Je pensais faire encore plus, là, honnêtement. Je voulais esquiver! Je n'ai pas réussi! Là non plus, un peu trop tôt. Toujours pas impeccable sur les timings. Aïe aïe aïe. C'est incroyable ce qu'on arrive à faire quand même. Et j'ai l'impression de rouler sur le jeu, hein, vraiment. Alors sauf au début là, quand j'avais pas justement l'anneau avec le chien. Mais comme quoi, voilà, les aides, entre guillemets, bah, ça change complètement le truc. Hein. Mais du coup, ça fait que quand tu dois gérer et le chien et tes propres attaques, je sais pas, je trouve ça un peu brouillon. C'est pour ça que j'aimais vraiment la config que j'avais. Donc je reste là-dessus. Puis finalement, il dit pas tant que ça. Feu follet, ouais, donc ce serait pour les petites boules qui tournent autour. C'est une compétence que j'ai pas prise, ça. Donc, ouais, finalement, moi, je suis pour, voilà, automatiser les combos du chien, quoi. L'émissaire de Shiva. Viens-tu mendier notre pardon pour ta trahison? Tout ce temps, j'ai suivi vos ordres. J'ai tué pour vous. Tout ça pour protéger ces pauvres enfants que vous aviez capturés comme moi. Et comment me l'avez-vous rendu? Vous les avez enchaînés et vous les avez tous sacrifiés! Ordure. Leurs âmes étaient souillées par la malédiction de l'éther. Je n'ai fait que les libérer de cette corruption. Cette expiation, c'est ce que le cristal désire. Repends-toi, abomination! Qu'un monstre comme toi ose pénétrer dans ce sanctuaire, c'est déjà un crime passable de mort. C'est vrai. Je suis un monstre. Et ma conscience est tachée à jamais. Mais pas par l'éther. Par le mal que vous propagez, parce que j'ai abandonné ce qu'il y a de bon en moi pour vous obéir, au lieu de vous résister. Voici ma pénitence. Désormais, je ne suis plus votre monstre. Et je ne vous permettrai pas d'en créer un autre. Alors comme ça, la bête ose montrer les dents à son maître? Déchaîne-toi, l'émissaire. Viens, comporte-toi tel que tu es. Un monstre! Et qu'êtes-vous donc, Imran? J'étais forcé de tuer. Vous, vous le faites par plaisir. Mais c'est fini. Je vais briser la roue du destin. À votre tour de vous prosterner à mes pieds. Tuez-les. Clive!
Pourquoi est-ce que je n'y arrive pas? Allez, je fais ce que je peux, le plus vite possible. Inside. Ah, Talgor, vas-y. Je me disais aussi, ça fait trop longtemps qu'on l'a pas entendu. On va loquer. Pas évident de tout riposter quand même. Yes. Vas-y. Chaud, chaud, chaud. Le mec. Ouais, faut double, je prends une petite potion. Faut bien contrer ses attaques à lui. Je prends une super, hein. Un petit sel de force aussi, pour rehausser un petit peu la... Ok. Prends ça, logiquement le feu ça lui fait pas trop, mais tout de même ça reste une attaque qui fait mal. Allez, parfait ça. Ouh, chaud. Attaque à distance, c'est l'avantage de cette attaque éclair par contre, c'est ça. Tu peux attaquer de loin, ça fonctionne. Ouh, qu'il est chiant celui-ci. Tiens. Je vais le loquer, parce que je l'avais même pas fait depuis le début, comme un con. Bien joué. Déstabilisation, il a une sacrée jauge de vie par contre. Très très bien. On assure de fou. Transcendance, j'aurais dû faire avant d'ailleurs. 15 000 dégâts, on est pas mal. Allez, enchaîne-le, enchaîne-le. Piégé. Faire vite. Tu as le feu vert. Allez, c'est parti. C'est très bien qu'il y avait au moins deux coups. En plus, tu le sens, hein, c'est pas comme si le pattern, on le découvrait. Tu vois. Là, il y a deux. Ah, punaise. Je prends une super. Il est chaud quand même, hein. Fallait que j'aille dans les airs avant. Aïe aïe aïe. Mon chien, tu serais plutôt bien inspiré de me donner de la vie. Merci. Allez. Merci Talgor. Ficelle de force. Ok, bien joué. Allez, faut y aller, faut y aller. Let's go. Potion. Je suis dans la mouise. Je suis dans la mouise, les gars. Il suffit de courir. Punaise, c'est pas possible, hein. Allez. Super potion. C'était moi une. Aïe aïe aïe, mais je savais, mais. C'est difficile. Je sais pas comment expliquer. Vas-y, mon grand. Ok, bonne esquive. J'y vais. Oh putain, mais c'est incroyable. J'ai plus de potions. Attends, mais il est qu'à la moitié de sa jauge de vie, on est cuit.
Bon, franchement, si on y arrive, c'est exceptionnel, hein, je vous le dis. Encore une fois. Je sais pas comment, là, il faudrait que je récupère de la vie de ouf. 22 000, c'est le record en plus. Ok, bon. On va se concentrer, les gars. On va se concentrer parce que là, ce qu'il faudrait. Oh la vache. Je reste sur un côté, hein. À la chasse fantastique, c'est pas tellement mon truc. Ok, il me fonce dessus, j'ai capté. Ouah, je suis mort. C'est incroyable quand même. Ouah, ils sont de tous les côtés. Insane. Bon, je passe sur Talgor vu que j'ai plus de potions. Je lui demande un peu de soin. Sors de la zone. Soin, Talgor. Talgor, soin. Je vais spammer le soin parce que je peux pas grand chose. Let's go. Ok. Ouais. C'est bien. Bien anticipé. On va devoir jouer sur les esquives. Je suis mort. Ouais, trop dur. Trop dur. Bon, game over. Ouh. Est-ce que ça me refile du soin? Ah, mais ça me refile des potions. Ah bah d'accord, bah tu meurs en plein combat, c'est pas grave, on te refile à fond les potions. Mais c'est fou. D'accord. Ah ouais, mais c'est facile alors. Ah bah tu me rassures tellement. Ouais, ce jeu, il est méga agréable. Certains diront que ça devient du coup un peu trop facile. Même si on crève. Mais non, c'est bien. Tant mieux, parce que c'est vrai que c'est frustrant. Hein. Mais faut avouer qu'en puissance d'attaque pure, il est très très fort. C'est important, j'ai bien mon setup que j'aime bien, là. Quoi? Mais je t'ai regardé dans le blanc des yeux, sans déconner. Voilà. Là, j'ai eu le bon timing, j'ai esquivé les deux coups de pied. Parfait. Là, on est bien. Allez, mon Talgor. Vas-y. On y va à fond. Allez, magie. Au bolet de brebis, bien sûr. Attention. Ah non, c'est celle à Kiss. Je confonds. Yes, bien esquivé. Aïe, ça c'est moins bien esquivé. Tiens, prends une petite potion. Allez mon gars, transcendance, on y va. Oh, il est énervé, c'est infernal. Allez. J'arrive. T'es cuit. Allez, c'est fini. Prends ça. Éclair. Ah, j'aurais aimé t'amener sur un compte, ça aurait été mieux. La petite charge. Voilà. Il était mortel, celui-là. Flamme liquide, vaincu. Il m'a tué une fois, du coup. Mais ça, parce que quand on meurt, on reprend à la moitié, enfin à la moitié, ou en tout cas au dernier checkpoint du combat, et ça nous refile toutes tes potions. Du coup, easy. Jill! Il faut qu'on en finisse, Clive.
vu ça, Sid? Un pas de plus vers la liberté. Le cristal! Qu'est-ce que vous lui avez fait? Oh! Nous l'avons détruit. Quoi? Mais... Monstre! Monstre! Est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Et oui, mon père. Et le monstre est mort! Maintenant, je suis une renégate! Que la bénédiction du cristal meure avec vous. C'est fini. Enfin. Et Shiva ne t'a pas fait de cadeau? Ça, non. Si j'avais pu me transformer... Je ne pense pas avoir payé trop cher. Il était de mon devoir de me racheter. Maintenant, je peux me battre à tes côtés sans remords ni regrets. Clive, regarde. C'est la même fresque qu'au Fort Phoenix. Bon sang. Pas le temps de traîner. Partons d'ici. J'ai tenu ma promesse. Alors fais de même. Au même moment. La roue du cristal. Par ici, Votre Altesse. Vous saignez. J'ai une potion qui... C'est très gentil à vous. Vraiment. Mais ça ira, je vous assure. Alors... Gardez vos remèdes pour ceux qui en ont besoin. Oh, bon. Si vous êtes sûr. Pendant un instant, j'ai senti la présence de mon frère. Vraiment ? Il me semble qu'Ultima lui veut quelque chose. Mais c'est étrange, après 5 ans de silence. Bientôt, le sceau qui retient Ultima se brisera. Votre Altesse. Non, ne salissez pas vos mains.
Regardez-les. Ils se suivent inlassablement. Oui, leur flot est irrépressible. Ils voient le Dominion comme leur dernière lueur d'espoir. Le fléau déplace toujours plus de monde, et ses réfugiés recherchent un asile. D'autres ont vu leur fortune confisquée par les Dalmec, et se retrouvent tout aussi démunis. Et vous, pourquoi vous rendre au Dominion, Altesse ? Pour voir Dion le Sage. Pardon, le prince héritier de Sambrek ? Oui, on l'appelle aussi Dion le Brave, le prince des dragons, la terreur d'Odin, ou simplement Bahamut. Je l'ai rencontré quand nous étions enfants. Il était déjà courageux et courtois. Depuis lors, il a continué de servir l'Empire avec abnégation. Mais êtes-vous certain qu'il voudra bien écouter ce que nous avons à dire ? Notre monde est sur le point d'être englouti par l'abîme. Une force invisible nous y entraîne. Ultima influence le devenir de toutes les nations, y compris Sambrek. Si son Altesse est bien l'homme dont je me souviens, ce que j'espère de tout cœur, alors rien de cela n'a dû lui échapper. Quand un cristal mère s'éteint, l'ordre du monde est ébranlé et notre ciel s'obscurcit. Nous étions chanceux d'être bénis par les cristaux. Enfin, peut-être. Nous vivions dans une cage dorée, dépendant de leurs bienfaits. Maintenant, nous n'avons d'autre choix que de prendre notre envol. Il est douloureux d'abandonner notre maison, mais c'est le prix de la liberté. De quoi a-t-on vraiment besoin pour vivre ? D'une bénédiction qui nous enferme, ou d'une liberté qui nous prive de tout ? Je n'ai pas encore de réponse à cette question. Et toi, Clive ? Altesse, trouvons un endroit pour nous reposer un peu. Puis continuons en évitant la Dalmeki, même si nous devons faire un détour. Je comprends bien que vous êtes pressé, mais si vous perdez la santé... Je sais. Merci, Iote. De quoi avons-nous besoin pour vivre ? Une bonne question. Au même moment. Randella, capitale de la République de Dalmeki. Notre armée est incapable de briser les défenses de l'Empire pour saisir les îles de la Croisée. C'est pathétique ! C'est parce que votre flotte est impuissante comme un eunuque face à une pucelle. À ce rythme-là, autant nous retirer immédiatement. Ça suffit, mes généraux. Nous ne pouvons permettre à l'Empire de continuer son occupation illégale du Dominion. Cependant, notre position ne sera bientôt plus tenable. Ce n'est guère étonnant, vu qu'une mer vous sépare de votre but. L'armée de Sambrek a un immense avantage stratégique, et elle se moque de vous du haut de ses remparts. Il ne manque de rien, et ne demande qu'à prolonger ce siège, car les provisions de l'île sont quasi inépuisables. Il a l'air fin, notre gratin militaire. Vous êtes parti en guerre sans égard pour les conséquences, et voilà le résultat. Félicitations.
meilleurs soldats s'épuisent en attendant des ordres de Randella. Si seulement vous daigniez vous battre, alors les choses avanceraient sûrement plus vite. Même si j'allais me battre, nos ennemis enverraient Bahamut, deux primordiaux qui se déchaînent, autant vous dire que les îles de la Croisée en souffriraient. Au lieu de libérer le Dominion, vous le condamneriez à la destruction. Est-ce là vraiment ce que vous désirez? Si le conseiller Kupka a une solution à proposer, alors nous serions ravis de l'entendre. L'impératrice? Que fait-elle ici? Qu'est-ce que cela signifie, Sir Kupka? Quel bon à rien. Vous devriez savoir qu'en politique, il faut toujours avoir une longueur d'avance. Ah, il fallait voir leur tête quand vous avez fait votre apparition. La stupéfaction à l'état pur. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Mais je dois admettre que j'avais aussi mes doutes. Je craignais que vous n'acceptiez pas mon invitation. Voici une lettre très surprenante. Sid n'est pas qu'un fils de pute. Il serait aussi fils d'impératrice. Votre cher petit Clive. C'est absurde. D'où sortez-vous ces idioties? Il n'est pas dans mes habitudes de fréquenter des criminels. Sauf pour les voir pendre. Si je suis venue avec mon fils, c'est pour mettre un terme à cette guerre futile. Et certainement pas pour souffrir vos accusations calomnieuses. Très bien. Dans ce cas, vous connaissez déjà mes conditions. Sid a ôté la vie à quelqu'un que j'aimais. Une femme qui s'appelait Bénédicta. J'ai juré de le tuer à son tour. Ce ne serait pas déplaisant pour vous, j'imagine. Il arrêterait enfin de salir l'honneur de votre noble lignée. En échange, je confierai sans break à votre gouvernance éclairée. Qu'est-ce qu'en pense Sa Majesté ? Tout ça pour l'amour d'une putain quelconque. Émissaire ou pas, on n'échappe pas à ses origines. Les bêtes resteront à jamais des bêtes. C'est pour ça qu'un futur radieux t'attend, mon petit Octavien. Bientôt, ce sera toi, l'empereur de Sambrec. Et quand ton père retournera auprès de Sainte Gwelligor, alors le Saint-Empire te reviendra de droit. Le monde tel qu'on le connaît va disparaître, et tu pourras enfin le reconstruire à ton image, mon ange. J'ai hâte. J'espère que Jill va bien. C'est pas possible.
Où est-elle donc passée? Un repos de courte durée. Oui, enfin, comme depuis le début, hein. Les phases tranquilles, ça dure pas longtemps. Boîte aux lettres. Le Dominion, de la part des gardiens. Ouais, on avait eu plein de choses. Je vais pas trop m'embêter à les lire, honnêtement. Alors, est-ce qu'on a un truc nouveau à la forge? De nouvelles marchandises? Ouais, sûrement. Alors, qu'as-tu pour moi, mon cher ami? Quoi, cette fois? C'est quoi, cette fois? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Alors, cette fois, je vais te demander une épée de platine. Ouais, ça pourrait être bien. Allez, je prends. Voilà. J'ai ce qu'il faut au niveau... niveau matériaux, nickel. Les accessoires... Oh, 53, bien joué. 53 de platine, donc là, je vais avoir un ensemble sûrement de... deux platines. Voilà, garde-poignette, platine plus 1, nickel. Platine plus 2. Allez, je renforce. C'est réussi. Voilà. Très très bien. Et le reste, bah si, ceinture. Ça va te servir, j'en suis. Donc j'ai les matériaux. Oh, 220, énorme. On en dira des nouvelles. Ouais. Est-ce qu'on peut aller à plus 3? Bon, faut peut-être pas déconner non plus. Hein. Bon, allez, super. Ça me va. Merci, monsieur. Donc tu vois, on fait les emplettes assez rapidement. Ma très chère Caronne. Alors, est-ce qu'on prend un peu de potion? Épée de platine, bah non, c'est bon, j'ai. Donc une potion. Super potion, élixir, alors c'est bien, ça restitue tous les PV, mais je préfère rester, quoique, ça permettrait d'avoir plus de soins. Mais c'est vrai que les élixirs, ce serait sympa d'en avoir de côté, tiens, je vais en acheter deux quand même. Excellent. J'équipe pas, mais j'en achète si jamais, voilà, je veux les tenter éventuellement. Eh bien, allons-y. Quoique, tu sais quoi, si on le met direct. Allez, objet, parce que je pense que c'est plus important. Donc, élixir, à la place de sel de force, comme on fait déjà. Ah oui, menu rapide, tu le mets là. Voilà, deux élixirs. Ça fait que j'ai que des objets de soins, mais je pense que ça reste le plus essentiel. Donc direction l'infirmerie. Bon là c'est encore autre chose. C'est tout ce qui est secondaire, on va pas s'en occuper. J'ai fait ce que je pouvais, mais tu dois faire un effort. Il faut que tu fasses plus attention à ta santé. Entendu. Merci Taria. C'est le mal cristallin. Elle doit se reposer. Tu sais, tu n'as pas besoin de cacher ta douleur avec moi. C'est supportable. Tu as assez souffert. Je voudrais t'aider. Ce n'est pas que ton combat, Clive. C'est le nôtre. Te voir te battre de toutes tes forces, ça nous inspire à faire de même. Alors, ne me dis pas que tu préférerais sauver le monde à toi tout seul. Non. Ce n'est pas ce que... Excuse-moi. La porte va s'ouvrir. Clive, est-ce que t'es? C'était sûr. Ici. Qu'est-ce qu'il y a? Ils attaquent Rosalia. Quoi? C'est pas à l'armée d'Almec qu'on a affaire. C'est les colosses de pierre de Crodrak, la garde rapprochée de Hugo Kupka. Ils sont déjà à Rosalis, et ils essaient de pénétrer dans le château. C'est moi qu'ils cherchent. Je pense, oui. Hugo Kupka a enfin compris qui se cachait derrière Sid. Donc, c'est un autre de ces pièges? Ouais, c'est gros comme une maison. Il serait prêt à tout pour faire la peau à Sid. Je pars pour Rosalis. Qu'est-ce que tu racontes? C'est exactement ce qu'il attend de toi, Clive. Écoute. Je ne sais pas pourquoi Kupka s'est mis en tête de tuer Sid. Ce qui est sûr, c'est que tant qu'il m'en voudra, le ver ponant sera en guerre.
Il n'a aucun scrupule à semer la destruction pour assouvir sa rancœur personnelle. Et puis, je ne peux pas rester sans rien faire alors qu'il s'apprête à mettre ma patrie à feu et à sang. Hugo Kupka doit mourir. J'ai perdu assez de camarades à cause de lui. Je veux pas en perdre un de plus. Alors j'ai hâte de tuer cet enfoiré. Je viens aussi. Après tout, ce combat est aussi le mien. Bien dit. Il faut que je demande des informations à Otto. Pas question de partir sans en savoir plus. Ok, c'est en sa direction. On va aller voir Otto Octavius. Ah bah non, c'était pas en sa direction. Bon, je suis content de choper un coffre. Nous devons nous tenir prêts à prendre la route de Rosalys à tout moment. Gab t'a raconté ce qui se passe ? Nous partons pour Rosalys. Mais je veux d'abord en savoir plus sur la situation. Quelles sont les nouvelles ? Alors ça... Nous avons reçu tant de rapports contradictoires que je savais pas par où commencer, et j'ai demandé à Viviane d'y jeter un coup d'œil. Personne ne s'attendait à ce que les Dalmec attaquent l'Empire sur un autre front. D'après nos informateurs, c'est une décision surprenante. Pour en savoir plus, va parler à Viviane. Entendu. On commence à avoir un peu l'habitude. C'est celle qui nous donne le briefing. Ah, je m'attendais à ce que tu viennes me voir. Alors, commençons la leçon. Tiens, il y a du monde aujourd'hui. Vous aussi, vous êtes en mal de connaissance ? Bonjour, Viviane. Les choses sont sérieuses. On veut être prêts. Nous partons pour Rosalys afin d'affronter Kupka. Comment vont les choses là-bas ? Doucement, Sir Rosfield. Tu dois avoir hâte de revoir ta patrie, mais chaque chose en son temps. Nous devons d'abord faire le point sur la situation et comprendre quels facteurs et enjeux sont à l'œuvre ici. Commençons par parler de Hugo Kupka. Son titre officiel est conseiller économique de la République de Dalmeki. C'est une position privilégiée au sein d'une nation qui accorde une importance capitale au commerce et à l'économie. Cela signifie qu'il possède à la fois argent et pouvoir. Outre ces deux avantages, notre homme est aussi l'émissaire de Titan, ce qui fait de lui un atout essentiel dans la défense du pays. Autant dire que ses moindres désirs sont toujours exaucés. Il s'est d'ailleurs servi de son influence pour faire mainmise sur Krodrak, lieu stratégique de la République. Les soldats chargés de défendre le Cristal Mère se sont vite laissés corrompre. Désormais, ils constituent la garde privée de Kupka et n'obéissent qu'à lui. Ce sont sans doute ces mêmes hommes qui ont effectué une incursion en territoire rosalien. Cependant, comme tu le sais, Rosalia est actuellement sous domination sambrequoise. Concentré sur le bras de fer qui l'oppose à la Dalmeki pour occuper le dominion du Cristal, le Saint-Empire n'a que peu de ressources à consacrer à sa propre défense. Le gros de ses troupes est au dominion. Par ailleurs, sur le front occidental, le Royaume de Fer a perdu son principal point d'accès au continent avec la chute de Souffle-Drac. Sambrek s'est ainsi trouvé libéré de la menace permanente d'une invasion phérégienne par la mer. L'Empire a donc recentré ses efforts sur le Dominion en y déplaçant sa marine et nombre de ses garnisons en poste à Rosalia. Kupka a profité de cette ouverture pour envoyer ses hommes attaquer les côtes rosaliennes, restées presque sans défense. C'est après toi qu'il en a, Clive. Je suis formelle. J'en veux pour preuve que ses troupes se sont dirigées directement vers le château de Rosalys, en ignorant toute autre cible stratégique. Rosalys se trouve juste en face de Port Iseux. Est-ce que ce port-là a été affecté ? Tout va bien sur place ? Oui, les gardiens de l'étincelle nous ont contactés. D'après leur rapport, les Dalmec ne s'en sont pas pris à Port Iseux. Et ce n'est pas tout. Des mesures ont été prises là-bas grâce à nos amis. Les Iseutois préparent d'ores et déjà l'accueil de leurs compatriotes fuyant la guerre.
Pour trouver Kupka, il faudra t'introduire dans le château de Rosalys. Avant d'atteindre la ville, il faudra traverser le viaduc de Bewit, et ce ne sera pas facile. Les soldats impériaux encore en place et les hommes de Hugo mènent des combats féroces dans l'espoir de contrôler ce passage stratégique. Il serait non seulement délicat de passer ce pont, mais aussi d'accoster sur la rive ouest de Rosalia. Comme je te l'ai expliqué, les hommes de Kupka ont pris le contrôle de la côte. Alors dis-moi, mon cher Clive, quelle serait la meilleure route pour accéder à Rosalys ? Voyons. Par le nord, en passant par la route du Fort Phoenix. Nous prendrons le chemin qui traverse Fangebrune. Même si ça fait un détour, c'est sans doute plus discret. Je savais qu'un Rosalien trouverait la solution. Tu maîtrises le terrain. Il ne reste plus qu'à partir, alors. Tiens, tu les accompagnes cette fois. Oui. J'attends depuis longtemps l'occasion de venger nos camarades que ce salaud de Kupka a tués. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Très bien. Nous pouvons y aller. On te suit. C'est plutôt une bonne motivation. Eh bien, allons-y. Retour sur la map monde. Direction. Direction l'ouest. Rosalys, ancienne capitale. La capitale historique de l'archiduché de Rosalia, passée sous contrôle sambrécois comme le reste de la contrée du feu. Gardez les portes du château, tout de suite. Hugo et ses hommes ne perdent pas de temps. Ils ont déjà percé les défenses du château. Les impériaux arrivent encore à résister. Mais à ce rythme-là, ils ne vont plus tenir très longtemps. Je crains qu'on soit face à une bande d'excités sadiques. Ils veulent détruire toute la ville, juste pour le plaisir. Non, pour m'attirer ici. Tout ça pour un seul homme ? Ça ne justifie pas cette violence. Si vous ne faites pas de conneries, vous devriez pouvoir accéder au château sans qu'il sonne l'alarme. Je vais me charger de voir s'il ne reste pas des gens qui ont besoin d'aide pour s'enfuir. Fais attention. Vous aussi. À votre tour de jouer les espions. Cauchemar. C'était chez nous, ici. Allons-y, Clive. Il faut continuer d'avancer. C'est vraiment très discret. Peine capitale. Il tue sans distinction. C'est un massacre. Il ne recule devant rien, Clive. Tu le sais. Pourquoi ? Pourquoi faire ça ? Clive, on peut essayer cette porte. Yeah!
ce massacre. Action spéciale de l'ennemi bouclier. Certains ennemis utilisent le sort de renforcement bouclier qui permet d'envelopper un allié d'une barrière protectrice. Les ennemis qui bénéficient de cet effet sont indiqués par l'icône avec un bouclier. Ces ennemis ne peuvent pas subir de dégâts, il est donc nécessaire de d'abord briser leur bouclier. Les attaques magiques sont particulièrement efficaces contre bouclier. Ça tombe bien, je fais que ça. Allez, c'est parti! Hop là! Ah oui, on a vu une petite barrière, en effet. Je confirme. Prenez ça. Oh, les dégâts de zone! Cette compétence, c'est juste fou. Allez, on en parle plus. Éclair. Le petit finish. Ok, bon, ça va, de toute façon, c'est pas des ennemis très compliqués, du coup, avec le bouclier. Parce que dans tous les cas, on utilise que la magie tout le temps. C'est vrai qu'au final, les attaques classiques, tu vois, le carré, carré, triangle, ont tendance à un petit peu l'oublier après. Alors, on utilise toujours, hein, parce que c'est obligatoire, mais... Finalement, ce n'est qu'une petite partie de ce qu'on peut faire. Je me rends. Regardez donc qui voilà. Allez les gars. Vous avez pas chaud là-dessous? Mine de rien, ça saigne pas mal dans ce FF. Franchement trop cool. Allez, on les emmène. Par contre, un point sur lequel je suis un peu faible. C'est en effet les amis. Allez, viens par là. C'est en effet, les amis, le domaine aérien. J'utilise que très très peu. Ok, on passe en dessous. Dis-moi, ça porte pas malheur. Eh bah écoute, le karma, comme dirait l'autre. Allez. C'est bien mon chien. La charge. Attention, chien derrière! Ah, tu vois, lui il avait la défense aussi. Même les chiens peuvent avoir la défense renforcée? Ok. C'est pas mal. Ah ouais! Eh, t'as vu ça? Impeccable. Il a la jauge bleue, tu vois, celui qui est renforcé. Magie sur lui. Allez, j'aurais dû mettre par contre un peu au milieu, c'est vrai. Ouah, c'est tellement puissant ça. Alors, ça fait ramer le jeu, mais c'est vachement bien. Deguids, impeccable. Faut pas que j'oublie la transcendance aussi, parce qu'on me l'a beaucoup dit en commentaire. C'est vrai que souvent je peux l'utiliser, et je n'y pense pas. Oula. C'est reparti. Hop là, direct. J'adore ces attaques là. Descends. Pourquoi ça a duré aussi longtemps? Ah mais non, mais c'est que j'ai enchaîné les deux attaques, je pense. Ouais. Transcendance. Ah. J'ai perdu un peu de vie contre lui, mais tout va bien. Attaque mon chien. La totale, 16 000 dégâts. Le plus haut qu'on a eu jusqu'à présent, c'était 20 000 et des brouettes. Hein. Il est fort lui quand même. Le capitaine, je pense que c'est capitaine. Il est fort quand même. Oh, j'ai presque plus de vie. Et j'avais pas vu. Mon chien, soignez-moi s'il te plaît. Yes, bien joué. J'ai pas voulu utiliser, les amis, mon soin maintenant. Je vais le finir sans. Question de fierté et gain de niveau. D'ailleurs, quand on monte en niveau, mais qu'est-ce que j'ai bien fait de pas utiliser de potion? Parce que quand on monte en level, la vie
également remonte à 100%. Quelle belle gestion. Allez, comme ça, moi, j'ai toutes les potions, toujours. Je dois aller où? D'accord, échelle. Alors, c'est vrai qu'en combat, le jeu est extrêmement fluide, tu vois, en mode perf. Par contre, quand on est en dehors des combats, on n'est pas à 60 du tout. Surtout là où on est dans une zone où c'est très chargé. Sanguines, des bobines. Très bien. D'ailleurs, attends, les points de compétences. Bouge pas. Points de compétences, j'ai 1037. Ah bah oui, attendez. On peut booster un petit peu la charge? Allez. C'est ce que je voulais faire. J'avais prévu. Voilà, donc la charge enflammée est maîtrisée. C'est vraiment ma compétence préférée, donc c'est logique de la booster. Ça, c'est bien. Potion, bah on est à fond de toute façon. Allez. C'est moi. Niveau 26, on est 27. Ouais, ça va. Du coup, pas de soucis. Attends, attaque de feu. La charge maintenant. Incroyable. Maintenant. Attaque magnifique, hein, vraiment. Ça touche tout le monde. Le feu résurrecteur. Insane. C'est mieux comme ça, hein. On les a défoncés. Bah, vraiment, il y a un plaisir immense quand on joue à ce FF16. Et tu vois, je trouve que les petites flèches qu'ils mettent là où on peut monter et tout, c'est pas abusé au niveau du visuel. C'est pas trop, tu vois, c'est pas des croix jaunes et tout comme dans RE4. Sous ma potion. Yes. Oh, tonnerre grondant. Tonnerre grondant, c'est Ah, ce serait peut-être intéressant de l'améliorer. Bon, je verrai ça pour le prochain épisode. On pourra optimiser encore un petit peu les équipements, je pense. Des loups. Hein. Et c'est reparti les enfants, la charge tout de suite. Allez, tout le monde avec moi. Let's go, éclair. Incroyable. Nouveaux ennemis, d'accord. Lui, il se protège. Ouais, ouais, lui, attaque magique, pas de choix. Voilà. Juste pour toi le molosse. C'est un peu con du coup. Ah lui aussi il était protégé, ok. Allez. Brise la garde, c'est très très bien. Hop là. La magie, attention. Je te vois. Attaque-le. Oh la vache. Ah oui. D'accord. Commence à me chauffer les mecs. Allez. Voilà total. On brise tous tes gardes. Mais il y a vraiment une progression dans le jeu, hein. C'est assez fou. Calme-toi, c'est bon. Viens par là. Détachez-le! Ils ont un curl! Attaque! T'es prête? Ça va sans dire. Minou minou! Un curl! Allez, on le lock. Laisse-moi observer un petit peu comment il bouge. Comment il se move. D'accord, bon, j'ai rien esquivé pour l'instant, mais t'inquiète, ça va venir. Allez, attaque éclair. Donc, c'est un monstre également éclair, donc il craint pas du tout ça. Ah, si, quand même. Oula! Il commence à m'emmerder avec ses câbles électriques, lui. Putain, ça va vachement loin. Allez, go! Ah non, j'aurais dû attendre un peu parce que là, si ça le touche, ça va, mais il est un petit peu loin. Ah, j'ai réussi à le faire tomber. Il était à la mi-jauge. Et vous avez raison, hein, c'est super. Par contre, ça marche pas avec tous les monstres, j'ai l'impression. Allez, fais-toi plaisir. Magnifique. Allez, transcendance. On fait un max de dégâts, les gars.
quasiment les 20 000. Oh là là, c'est tellement incroyable. Attention, attaquez jusqu'au bout, ok. Nous devons l'arrêter, quoi qu'il en coûte. Allez. C'est du quoi qu'il en coûte, là, en effet. Allez. À fond les ballons. Bien joué. Nous devons en profiter. C'est assez rare qu'on a ce genre de passe dans les combats. Mais c'est cool. Profitons-en, il est sur le dos. Voilà. J'aime pas ça, les piliers électriques, pas mon délire. Allez. C'est bien ça. On lui met. Tiens. Déstabilisation, nickel. Max dégâts, transcendance. Faut pas se laisser abattre. Allez Minou, reste sur le dos. C'est très bien comme ça. J'ai plus de magie donc je fonce. 13 009, c'est bien. La magie qu'elle met quand même un petit moment pour se recharger. Hein. Ok. Le compte, bien joué. Reste pas sur les zones électriques. Oh, deuxième esquive, incroyable. C'était moins incroyable là. Allez. C'est pas sur cet ennemi là que la charge rend le mieux, on va pas se mentir. Allez, maintenant. Mon attaque la plus chère. Bon, qui marche surtout quand il y a beaucoup d'ennemis. On le rappelle. Nickel. Tu as fini. Adieu, Minou. Et voilà. Bon, ça va, il était pas dur. Curl vaincu, notre premier curl. Bon, je suppose qu'après, on en verra d'autres. Vous savez comment ça marche, hein, ces jeux-là. C'est la première fois, donc c'est impressionnant. Et puis après, t'en auras plein, plein, plein. Ou pas. Peut-être est-ce un ennemi unique. Ah Jill ! Enfin te voilà, Sid. Ou devrais-je dire Sir Rosfield ? Ça fait très longtemps que je te cherche. Laissez Jill en dehors de ça. Je suis ravi que tu aies accepté mon invitation. Je me suis donné du mal pour la décoration. C'est plutôt sympa, qu'en penses-tu? Ferme-la! C'est vraiment dommage que le vieux Sid ne puisse nous rejoindre. Mais je suis sûr que tu seras aussi d'une compagnie agréable. Du calme, petit flocon. Je veux te garder au frais, au moins jusqu'au grand moment. Commencez. Il manquait plus que ça, vraiment. C'est à moi de les sortir de là.
c'est le tour de qui aujourd'hui? Vous! Amenez la prisonnière! Je trouve qu'elle l'a bien cherché, à traîner avec un renégat. Ouais. Et encore, elle s'en tire bien. Sir Kupka requiert votre présence. Il ne veut pas que vous ratiez l'exécution de la fille. C'est dommage, on... Gab! Les entraves de cristal sont impossibles à ouvrir, tu sais. Enfin, je veux dire, impossible sauf pour moi. Où est-il? Dans la cour d'honneur. Merde. Dépêchons-nous. Les impériaux ont sonné la retraite, mais abandonné le château. Malheureusement, les hommes de Kupka sont partout. Je m'en charge. Je vais monter jusqu'à la cour et arriver par l'arrière. À très vite, Clive. Ah! Au cas où. J'arrive, Jill. Alors tiens bon. En effet, mon cher Gab, ça pourrait éventuellement servir. Ils vont avoir la surprise du chef. Allez, on va aller récupérer l'objet. C'est une potion. Il n'y avait pas un autre de l'autre côté, non. Allez, remontons à la surface. On va tous les détruire. Super potion. Ah oui, oui, oui. Ah, tu sais que ça va swinguer. Vu tous les objets qu'on te file, tu peux en être sûr. On est à fond, du coup, je pense. Tiens bon, Jill, j'arrive. Tu l'as déjà dit. Ouais, c'est par là. Ouvre la grande porte. Une entrée fracassante, j'espère. J'espère que t'as un plan, Clive, parce que sinon ça va mal se terminer. Vas-y. Jill, tu peux te lever? Eh bien, Sir Rostil. Tu aimes tellement mon spectacle que tu veux y participer? Salaud! Mais... peut-être peut-on réécrire l'acte principal. Tu as l'air d'un bon acteur! Je te la rends. Merci beaucoup. Allez, tenez bon. Nous allons nous en sortir. Talgor, merci. Ouais, ouais. Ouh. Mais tu m'avais caché cette transformation, non, jusqu'à présent? C'est quoi cette histoire? Allez, venez. Allez, viens, je vous emmène. Au vent. Oh, c'est beau, ça. Là, quand il y a autant d'ennemis à côté, c'est insane. Joli. Oula. Ah oui, je sens passer. En effet. Allez, relâche charge. Faut par contre en prendre la vitesse. Hein. Il est fort lui, hein. Il est fort, mais je brise ta garde. Allez, Talgor. Maintenant que tu es transformé en plus, maintenant que tu es BG.
contre, dommage, ça ne l'amène pas en l'air. Voilà, charge, c'est reparti. Et n'oublions pas la transcendance. Oh, la parade, magnifique. On l'enchaîne de fou furieux et run deuxième parade. Oh, je suis incroyable. Ouch. Ouch. Il va se calmer celui-là. Hein. Il m'a fait très très mal. Mais bon, vu que je bourrine comme un viking, t'inquiète que ça le fait. Allez, c'est fini pour le geôlier. On en parle plus. Par contre, vous... C'est bon maintenant? On se calme? Alors? Toujours en vie? Fantastique. Du coup, qui est-ce qui veut y passer en premier? Ninja! Oui, bon, je t'avais capté, hein. Qu'est-ce que tu crois? Oh, j'ai plus de vie! C'est ma potion! Putain, je viens juste de le voir, dis donc. C'est vrai que la vie, parfois, on n'y fait pas gaffe, parce qu'on est tellement dans nos combos et tout, dans les magies. Bon, attends, ça se dire, ouais, c'est bon, tranquille, mais non, pas tranquille du tout. Hein. Le jeu a quand même son petit challenge. Allez, reste sur lui. Prenez ça, les gars. Magnifique. 26 000. Le record battu, les gars. Le record est battu. Oh, l'esquive, magnifique en plein air. Alors, par contre, il y a une compétence qui permet de sauter sur les autres. Ça, j'avoue que je devrais l'apprendre, cette compétence, de sauter sur les ennemis. Là, actuellement, je peux pas faire ça. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas trop d'aérien, que j'ai pas l'habitude de le faire, parce que j'ai pas les compétences qui sont adaptées, à mon avis. Ah oui. Transcendance, mode vénère. Ah là, je pense qu'on est bien rodé quand même avec ce système de combat. Juste les esquives à faire un peu plus. Peut-être mieux regarder effectivement les actions, parce que parfois c'est un peu lisible. Oh, le finish. Homme de Hugo Kupka vaincu. Envole-toi, envole-toi. Impeccable. Kupka, j'arrive. Il n'y en a plus. Pour l'instant, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Et nous lâcherons pas tant que Kupka sera là. Alors faut te bouger. Et le virer du château, hein. Vas-y. S'ils reviennent ici, nous les retiendrons. Très bien. Mais soyez prudents. Comme si c'était fait. Hugo, tu n'es plus tout seul. Enfoiré de Kupka, c'en est fini de toi. Je parie qu'il y a des trucs, tu vois, si on monte là, non? Tiens, regarde. À gauche, c'était sûr. Parce que j'ai utilisé quand même pas mal de potions. Ok, on est bien. Kupka, te voilà. Tu as mis le temps, dis donc. Vos amis m'ont diverti assidûment. J'en suis fort aise. Aurais-tu pour idée de reprendre le trône de ton père, Sire Rosefield? Le fier archiduché de Rosalia. Un pays sans souverain, sans armée, sans même un peuple. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. En fait, ce trône n'en mérite pas le nom. Non! Je ne suis plus d'humeur, Kupka. Dites-moi ce que vous voulez!
la tête de Sid dans une boîte. Imagine ma déception quand j'ai su que quelqu'un d'autre avait tué ton prédécesseur. Et mon soulagement quand j'ai appris que son nom maudit survivait en toi. Ton mentor a tué Benedicta Harman et a mutilé son corps. Tu as choisi de porter le nom de cet assassin. Alors tu vas répondre de ses crimes. Les seuls crimes dont je répondrai sont les miens. Sid a fait tout ce qui était en son pouvoir pour sauver cette femme, mais elle était déjà perdue. Alors je l'ai achevé pour lui. C'est bien moi que vous cherchiez, Hugo. C'était toi. Toi. C'est toi qui l'as tué. Oui. Alors j'ai de la chance dans mon malheur. Je ne pensais pas pouvoir me venger directement. Même en t'arrachant à un être aimé, j'aurais toujours eu un sentiment d'inachevé. Mais il faut croire que je me trompais. Ma vengeance sera parfaite. Oh, on avait un rêve! J'aurais pu être le roi de ce monde! Elle aurait pu être ma reine! Et tous les deux, on aurait régné, régné de droit divin! Mais tu as tué ce rêve! Tu l'as gâché à jamais! Écoute bien, Rosefield! Tu vas payer pour ce que tu as fait! Je vais t'écarteler de mes propres mains! Et vous alors? Combien d'hommes avez-vous tué? Combien de rêves avez-vous brisés? Vous êtes loin d'être la seule personne à avoir perdu un être cher, vous savez. Je n'ai aucune pitié pour vous, Kupka. Vous ne méritez aucune pitié. C'est ça qu'on veut. Ouais, c'est moins ça par contre. Allez, c'est parti. La charge. Ouais, il est pas si grand comme ça, hein. Par contre, en mode titan, c'est autre chose. Souffre, Hugo. Allez. Là, j'ai bien fait de monter, ça m'a permis d'esquiver un petit peu le bordel là. Tiens. Goûte à mon éclair. Bon, par contre, on va devoir. Ah oui, on va devoir jouer plus en esquive, je pense. Déjà, lock-le, énerve-toi. Parce que c'est vrai qu'on a pas de chien là en plus. Ouais, faut vraiment jouer en esquive, ok. Je comprends bien l'histoire. Allez, go, 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 go. Ouais, il est rapide, hein. Allez. Compliqué, compliqué. Super potion. Bien joué. Par contre, ça comptait pour du beurre. Nickel. Éclair. Attaque qui me fout un peu dans la merde en plus, c'est ça de bien. Ouais, ouais, ouais. Faut jouer en contre, j'ai l'impression, lui. Wouh. Kupka. Tu n'es pas assez rapide. Tu es trop lourd d'eau. Trop de muscles. Oh là là. Ouais, par contre, voilà, quand il te touche, ça fait très mal. Déstabilisation, ça c'est bien. Allez, fais-moi rêver. Vas-y.
Dégâts à fond. Limit break. I'm a break, I'm a Kit Kat. Tu vas mourir de ma main, Rosfield. Ma haine envers toi est infinie, insatiable. Subis ma fureur tellurique. Quoi? Oh merde. Le monde a choisi. Je suis dans mon élément. C'est fini pour toi. Ouais, on va essayer de rester en mouvement par contre, hein. On l'avait fait tomber le sol. Quitte la zone. Reste pas ici. Ok, maintenant. Change. Toujours reste en mouvement. C'est bien, ça fait très mal ça. Lui aussi fait très mal, je prends une petite potion. Et ta zone. Bien joué. Éclair. De génie. Bien joué l'esquive. Double. Vas-y. Ah d'accord, c'est juste un bouclier pour lui. Ok. Brisé. Ah non, je voulais esquiver. Ça va être mal. Super potion. Allez, transcendance. Ouais, c'est bien joué. Bon, c'est vrai que c'est un peu le bordel, hein. Potion. Bien joué. Pas de compte par contre dans le bon timing, c'est vrai que c'est un peu con. Mais d'où ils m'ont pas chier comme ça? Ouah, ça fait tellement mal. Élixir. Ouais, je pense que j'ai bien fait de les prendre finalement. Ça me remet à 100% les gars. Bien joué. En plus double magie. Maintenant. Incroyable. Plus de 20 000. C'est tellement bien. Il est énervé. Ça va, il est à côté. Magnifique. Encore. Je peux pas tout esquiver non plus. D'accord, c'est un vrai rouleau compresseur le mec. Ok. T'as tellement vite. Yes. Je ne supplie personne. Je suis le maître. Bien joué ça, hein. C'est moi où il est gigantesque, hein. Wow, wow, je me soigne, je me soigne. Ah, il m'a tué? D'accord. Alors, fallait aller dans les airs. Il y a des chances. Ouais, quand il grossit en fait. Mais en vrai, comment on fait? Faut le calmer, faut sauter, faut... En vrai... Je comprends pas. Ah, c'est bon. J'ai survécu, mais j'ai utilisé toutes les potions.
Insane. Ah mais c'est ça en fait, fallait... Ok, bon, je suis revenu ici, je vous montre que cette partie du combat, mais c'est incroyable quoi, le... Hugo est trop fort. C'est assez fou. Allez, bonne transcendance, je prends une petite potion. Oh oui, un peu de chance là avec la parade. J'ai plus qu'un élixir, les gars. Allez, joue sur la parade. Oh non! Comment on fait? Oh oui! Reparade, mais j'ai trop de la chatte! Oh, oh, wow! Élixir, c'est mon dernier. Yes! Allez, alors peut-être. Allez. Transcendance. Vas-y, fais-moi plaisir. Fais-moi rêver. J'ai plus aucun soin. On est dans la merde. J'ai récupéré toute ma vie avec l'élixir. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est tellement ouf. Est-ce qu'on va y arriver, les amis? Est-ce qu'on va y arriver, à votre avis? Je n'y crois pas trop. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est bon. J'ai réussi à rester dans les airs. Oui. Tiens. Oui, double. Oh là 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 là. Quel joueur. Maintenant, la charge. Transcendance. On voit tout. Je m'en fous. Allez, la totale. Oh là 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 là. C'est maintenant. Oui. Oh, le coup descendant. Incroyable. Wouh. Hugo Kupka a vaincu. Mais quel combat. Bon, j'ai encore mort une fois par contre. Qu'est-ce que c'est dur. Niveau 28. Après, c'est pas un jeu qui est fait pour être difficile. Hein. Vraiment, on peut s'en sortir parce que tu recommences le combat avec toutes les potions. C'est... ça va quoi. Ah,
Allons donc. Il ne faut pas vous mettre dans un état pareil. Attendez! Pas maintenant, Mythos. Bon, il n'y en a plus. Je ne crois pas. Bizarre, quand même. Et va le doigt de mes deux. Mais c'est pas la plus grosse surprise qu'on a eue aujourd'hui. Qui t'a appris à faire ça, Talgor? C'est un secret? Bon, d'accord. Gab, il faut retrouver Clive. Oui, pardon. Il en restait un. Tu vas bien? Ouais, et toi? J'y étais presque. Si je maîtrisais mes pouvoirs, j'aurais pu l'achever. Je suis déjà bien content que tu t'en sois sorti. Depuis quand les Valedois sont-ils là? Depuis que t'es entré dans le château. On en avait à peine fini avec les hommes de Titan. Que voilà ceux d'Odin. Heureusement, ils n'étaient pas trop nombreux. Oui. Sauf que l'un d'entre eux est parti avec Kuka. Donc, en fait, tu crois qu'ils sont venus ici pour le sauver? Enfin, j'ai pas la moindre idée de ce qui se trame, mais plus on passe de temps à y réfléchir, moins on a de chance de rattraper Kupka. Alors on fait quoi? Mettons-nous en route pour le repère. Je n'arrive plus à réfléchir. Toi, tu n'as pas l'air vaillant. Et après, ce qu'a vécu Jill. On verra pour Kupka plus tard, d'accord? Bon. Ça marche. Comme ça, on pourra aussi enquêter sur le mystère du toutou magique. Jill, tu tiens un coup? On va rentrer. Un ciel chargé de souvenirs. Eh bien, on progresse vachement bien en tout cas. Alors, on va retourner au repère. Tranquillement, on va pouvoir comme ça refaire quelques petites emplettes. Avant de passer à la prochaine mission. Qui sera la prochaine fois, bien sûr. On va quand même pas commencer à faire des épisodes de 3 heures. Tu as trop tiré sur la corde. Le moindre geste doit t'épuiser, j'imagine. Je t'ai dit que tu devais faire plus attention à ta santé. Alors on arrête les bêtises, ma chère. Il faut absolument que tu te reposes. D'accord. J'obéis. Ne crains rien, Gab. Tout ira bien. Oui, c'est vrai qu'on a tous pu rentrer, sains et saufs. Et on a encore nos mains, nous. D'ailleurs, où est Kupka? Et que diable faisaient ces Valedois, Rosalys? J'aimerais bien le savoir, crois-moi. Otto sait peut-être des choses. Je vais lui parler. Je vais parler à Harpocrate. Harpocrate? Et de quoi? De ton fidèle compagnon, d'abord. Si des chroniques font état de comportements semblables, j'imagine qu'Harpocrate les connaît.
Je veux surtout savoir si c'est mauvais pour Talgor. J'ai besoin de me renseigner sur ce sujet, car je n'aimerais pas qu'il finisse dans le même état que Jill. Compris. Tiens-moi informé de tout ça. Bien sûr. Et tu fais de même, hein? Jill, fais ce que dit Taria. D'accord. C'est promis. Voilà, faut commencer à montrer un peu son caractère. Faut s'imposer, tel un mâle que tu es. Si près du but. Eh bien écoutez les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Titan, Cla vient d'absorber les pouvoirs de Titan. Ah bon? Non. Et d'obtenir de nouvelles compétences et un nouveau talent. Les détails des compétences et des talents peuvent être consultés dans l'onglet compétences du menu principal, mais c'est incroyable. Le talent de Titan, le blocage, oui, de bloquer une attaque ennemie. En utilisant juste avant de subir un coup, il est possible de réaliser un blocage de Titan habile et d'enchaîner sur une riposte titanesque, juste après en appuyant sur carré au bon moment. Ok, monte animation, alors vous l'avez vu, mais pas moi vu que j'étais en train de lire. D'accord, il bloque. Ouais, petit effet lumineux. Et après... Ah ouais, oh c'est trop beau. Ça fait très God of War-esque. Très bien. Eh bien... Eh bien écoutez, la prochaine fois on ira parler à Otto. On s'arrête là pour aujourd'hui, on verra si on a de nouvelles armes, etc. On a reçu du courrier, ça me fait une belle jambe. Attends, on va aller voir les compétences de Titan. Ah, pouvoir de Titan disponible. Et ils sont juste en dessous. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? En théorie, ce sera pas la glace qu'on aura. Le blocage, d'accord. Ouais, faudra le maîtriser, j'ai combien? J'ai pas assez de points. Crochet tellurique. Oh, ça fait très mal, hein. Ouais, grosse puissance d'attaque, ok, le coup de poing, bah on l'a ressenti contre lui, hein. Tumulte, 3-3, c'est bien. Assez équilibré, apparemment il y a une jauge qui se remplit. D'accord. Point enragé. Oh, ça a l'air... Oh, j'adore ça, je veux 120. Ah oui. Bon, celle-là, faut la payer, les deux autres, on les a déjà, donc à voir. Mais j'aime beaucoup celle-là. Et enfin, fureur tellurique. Ouah, 4 en attaque. Ça doit faire tellement de dégâts, ça. Ah ouais, il me la faut, hein. Vraiment. Eh bien écoutez les amis, on s'arrête là pour aujourd'hui. Ça promet pour la suite, on aura effectivement une nouvelle magie à utiliser. J'ai hâte de découvrir ça en votre compagnie. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit like, ça vous a plu. On se retrouve dès demain. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas louper la suite de cette grande aventure sur FF16. Merci encore à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.